sur ce cross. Très bien, c'était très agréable à monter. Le cheval était super, très concentré. Il était vraiment focalisé sur le parcours. Je suis régalé. Je pensais qu'il y a moyen de gagner des places sur ce cross. Et on a eu beaucoup de sans faute pour l'instant. Oui, ouais, ça va se courir assez bien. On sait que les 6 ans, c'est quand même une course assez facile quand même dans l'ensemble. Les chevaux sont plutôt tous prêts pour faire ça. Donc là, j'ai vu quand même que je remontais déjà d'une place. L'Allemande qui est passée derrière. Oui, il va sûrement y avoir un petit peu de changement, mais ça va pas bouleverser le classement aujourd'hui. L'objectif, c'est clairement le podium. L'objectif, c'est qu'il récupère bien, demain de faire un bon parcours, c'est d'être sans faute, et puis après on verra à la fin le classement. Et comment tu l'as senti aujourd'hui tout le long du cross? Il était vraiment très bien, hein, comme je disais, il était très concentré. C'est vrai que j'avais un petit doute là-dessus, parce que c'est un cheval qui peut être facilement déconcentré quand j'ai commencé un peu les compétitions, était vite à regarder à droite à gauche, pas toujours concentré sur moi. Donc là, j'avais quelques doutes là-dessus, mais non, vraiment, il était super avec moi, pas du tout à regarder ce qui se passait à côté, très bien dans son galop, très facile. Après, c'est un cheval qui galope bien et qui est très maniable, donc j'ai vraiment pas besoin d'en faire beaucoup pour le préparer. Donc je l'ai laissé courir à sa main tout le parcours. Et numéro 13, tu l'appuyais un peu, tu traînais ça. Et au moment de décrocher, il a fait un petit peu droite-gauche, il savait pas trop où on allait, donc j'étais obligé d'appuyer un peu fort l'entrée pour être sûr de ma distance. Et puis derrière, je me suis retrouvé un petit peu près parce qu'il a une grosse axe, chercher un peu la pointe assez fort dans le galop, mais il a bien répondu. Du coup, tu arrives avec pas mal d'avance, ça t'a permis de soigner la dernière combi? Oui, j'ai vraiment pris le temps à la fin, j'avais de l'avance partout, j'avais une dizaine de secondes d'avance tout le temps, même à la fin j'avais 15 secondes, donc c'est vrai que j'ai fini assez tranquillement dans son rythme. T'as pris des infos pour cet après-midi, même si c'est pas le même tour? Ouais, c'est vrai que ce sera pas pareil. Après, les infos, c'est que le sol tient bien, le sol est bon et agréable à courir. Je pense que ce sera pareil dans les 7 ans avec un petit peu plus de difficultés et un peu plus de piment. Bon, tout à l'heure, merci.